latino-espagnol. Est-ce que tu peux faire plus chaud de la teub? Le gars, le jour de sa naissance, il est sorti du ventre de sa mère, le médecin, il a claqué sur les fesses, il a pas pleuré, il a fait « Putain les gars, il y a de la grossesse ou quoi ?» Ah, au fait, je vais te dire, j'ai racheté du déodorant pour la salle de bain. Celui à la fleur de lilas? Exactement, avec en plus senteur abricot. Abricot, conifère, ferme ta gueule, voilà, la chanson bœuf. Et d'après ce qu'on dit, une femme qui rit est une femme à moitié dans ton lit. Sauf qu'avec moi, oui, j'arrive à la faire rire, mais une fois qu'on est dans le même lit, tout nu, elle continue à rire. Cette salope. Un comédien doit pomper les énergies, pomper les sentiments, pomper les émotions. Un comédien doit pomper, et j'aime beaucoup pomper. Ah oui, ça j'en ai sucé des énergies. Mais je comprends pas le mec qui a donné les noms au petit patelin autour, il était pressé quoi. Nio, Glan, Visite, Pierre. Un petit peu loin, ça devient violent. Bah. Eux voulaient absolument un enfant, donc ils ont essayé la fécondation in vitro. 7000 balles la fécondation. Ah ça, mon frère, ça lui a bien vidé les bourses. En fait, globalement, à chaque fois que tu rentres dans les toilettes et que tu commences à chier, comme tu bouges plus quand tu chies, et ben la lumière s'éteint et tu te retrouves dans un moment de solitude où t'es comme ça, en train de gesticuler sur tes toilettes, dans l'espoir que la lumière sera nulle. L'hygiène féminine, ça c'est des pubs que je comprenais pas quand j'étais petit, parce que tout est fait en euphémisme, tout est fait de sous-entendu. Bah alors Carole, qu'est-ce qui va pas? Je sais pas, je me sens pas très fraîche. C'est le genre de phrase qui se retrouve dans notre langage commun, aujourd'hui. Quand un mec dit à un autre, t'es ma celle-là comme elle est trop fraîche. Ce qu'il est réellement en train d'expliquer à son pote, c'est, t'es ma celle-là. Franchement, ça se voit, elle prend soin de sa flore vaginale. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Eve se réveille et va qu'à ses occupations sans passion, sans conversation, sans personne à qui parler, sans personne à critiquer. Eve se fait chier. En gros, ta popularité était définie par ton emplacement dans le bus. Donc en gros, si t'avais des Nike et du gel dans les cheveux, bah tu passais derrière. Et si ton truc c'était plutôt coupe au bol et pull en laine, bah tu passais devant. Moi j'étais debout à côté du conducteur. Quand une vraie besanoise est indisposée, elle appelle son plan cul, son mec, elle lui fait « Hey mec, ça va pas le faire ce soir. Pourquoi ?» Bah parce qu'il y a Redman qui vient de commencer son concert de Matocha. À voir, il est parti pour faire tout l'album et en plus il a oublié son micro. Et puis maintenant, j'aimerais vous raconter la même version, mais en mode 2015. Genre comme si moi, je raconterais à mes enfants en cyclope, comment est-ce que j'ai rencontré ma femme. Là, en boîte avec des potes pour me bourrer la gueule, et là, au fond de la piste, j'ai vu cette meuf qui twerkait comme une déesse. Aïe! On est venu voir le match contre Tonon et Vian Gaillard. Putain, on va remettre les bras, Léo! Quoi, j'ai pas en forme. Oh, si t'es pas content, t'as qu'à aller dans le couloir, oh! Oh, putain! Le mec, il a pas de jambes, pas de bras. Oh putain, tu m'avais pas dit qu'il y avait des célébrités dans ta chambre. C'est Jacques Dutronc. Oh putain, il est mort. Oh, il est mort. L'autre jour, en maison de quartier, un groupe d'adolescents se susurrait des mots d'amour. Fils de pute, fils de pute. Et je me suis approché d'eux en leur demandant si toute leur mère était collègue. L'aventure Joke Nation est en marche et maintenant c'est à toi d'écrire la suite de l'histoire. Oui, c'est vous les internautes qui avez le pouvoir. Avec ton clic, tu peux apporter du bonheur aux gens. Genre ton curseur, c'est comme le doigt qui gratte le ventre d'un chat et après le chat il ronronne genre... C'est pour ça que ça s'appelle une souris. Thomas Wiesel, humoriste. C'est toi qui as le pouvoir, tu cliques, il kiffe. C'est toi qui vas décider quels humoristes entrent dans la communauté et pour qui l'aventure s'arrête là. La tribu Joke Nation s'est exprimée. Pour toi, l'aventure s'arrête ici. Et tu peux aller cliquer sur les vidéos du monde entier, hein, donc fais-toi plaisir. You're perfectly bilingual, you can even click on videos in English. Si t'as pas compris ce que je viens de dire, c'est que de toute façon cette phrase s'adressait pas à toi. Alors clique. Moi je vais me passer les mains sous l'eau parce que je me suis brûlé les doigts. Pour toi, internaute.